faire une intervention ce matin sur le 3-3. Donc je vais, dans les grandes lignes, reprendre un petit peu les règles très spécifiques du 3-3. Comme vous le savez, c'est un sport qui est olympique depuis l'été dernier, donc c'est relativement nouveau, et avec des perspectives de médailles, notamment pour Paris en 2024. Donc gros espoir de médailles par rapport à ça. Et on a aussi en objectif de se qualifier pour Tokyo en 2020. Au jour d'aujourd'hui, le 3-3 fonctionne comme le tennis. C'est un système de ranking, comme un peu l'ATP au tennis, qui permet à des équipes de se qualifier selon le nombre de points qu'elles ont obtenus sur des tournois. Donc il y a un nombre de tournois relativement importants qui sont organisés au niveau mondial. Il y a les équipes nationales, mais il y a aussi les équipes privées qui rapportent aussi des points à chaque fédération. Si aujourd'hui on devait faire un état des lieux, un bilan des équipes de 3-3 françaises, nationales, les féminines seraient qualifiées pour Tokyo, mais pas les équipes masculines. Il y a une difficulté au niveau des équipes masculines qui ne sont pas encore performantes au niveau mondial, parce qu'on a une grande difficulté, notamment vis-à-vis des clubs, de libérer les joueurs tôt, puisque les compétitions de 3-3 se passent généralement entre mai et octobre. Là, on vient de revenir avec Yann du championnat du monde qui avait lieu en octobre. Donc c'est assez compliqué. À terme, je pense qu'il faudra avoir des joueurs qui font exclusivement que du 3-3. Et bon, c'est une réflexion actuellement qui est menée au sein de la fédération et qui est pas évidente à mettre en place. Au niveau des règles, donc c'est un jeu qui se joue donc demi-terrain. La possession de balle est en 12 secondes et pas en 24 secondes, donc c'est un jeu qui est très rapide. Il y a certaines spécificités dont... tiens, donne-moi le ballon. Les ballons sont aussi des ballons qui sont vraiment uniques pour le 3-3. C'est un taille 6 avec un poids taille 7. Donc ils ont fait ça à l'époque pour l'universifier, on va dire. Je sais pas comment on dit ça, pour que les filles et les garçons soient capables de jouer au 3-3. Donc moi, quand j'ai commencé en 2012, il y avait des épreuves mixtes qui ont été abandonnées, c'est-à-dire qu'on avait deux filles, deux garçons dans la même équipe qui jouaient. Depuis, ça a disparu. Pour l'anecdote, la France a été la première équipe championne du monde en mixte et la dernière. Donc le ballon est resté. Donc c'est une difficulté pour les garçons en termes de taille. Et c'est une difficulté aussi pour les filles en termes de poids. Donc c'est vrai que quand on commence les compétitions, généralement sur les deux, trois premiers entraînements, on voit vraiment une grosse différence, notamment au niveau de l'adresse. Et l'adresse est essentielle au niveau du 3 contre 3, puisque comme vous le savez, tout ce qui est à l'intérieur de l'arc de cercle vaut un point, mais tout ce qui est à l'extérieur vaut deux points. Donc c'est deux fois plus deux points. Donc c'est aussi une spécificité, il faut savoir défendre le tir extérieur beaucoup plus sur du 3-3 que sur du 5-5 conventionnel. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 paniers à 3 points en 5-5, ça peut se rattraper, en 3-3 c'est relativement problématique. Donc c'est aussi un axe de travail qu'on a tous les jours avec les équipes, la défense du tir extérieur à 2 points. On a un arc de cercle qui se situe ici, on s'en sert aussi pour le 3-3. C'est-à-dire que quand on a marqué un panier, l'équipe qui vient de marquer se retrouve directement en défense. Or, le défenseur ne peut pas intervenir à l'intérieur de cette zone. L'attaquant prend la balle et a toute la liberté d'être ici et de regarder ce qui se passe. Si le défenseur rentre dans cet arc de cercle, il est tout d'abord averti. Et la deuxième fois, c'est une faute technique avec un lancer franc. Et après, on enchaîne les possessions. Donc c'est important, notamment sur une fin de match. Il y a aussi une règle vis-à-vis des fautes. Il n'y a pas de faute individuelle au 3-3, c'est des fautes collectives. C'est-à-dire qu'au bout de la 7e faute collective, vous avez un lancer franc. Au bout de la 10e faute collective, vous avez deux lancers francs plus la balle. Donc la différence, elle est ici. Sur les fins de match, c'est quelque chose qui peut faire tourner le match. C'est-à-dire que nous, on a, sur des compétitions, perdu des matchs comme ça, sur une faute en fin de match. On est déjà dans la pénalité et le match est terminé. Donc on sait que c'est un sport qui est beaucoup plus agressif, il y a beaucoup plus de contacts que le 5-5. Donc il faut aussi que ces contacts soient gérés pour ne pas avoir cette problématique de faute à la fin. Une autre grosse spécificité du 3-3, c'est qu'on a 12 secondes pour attaquer. C'est-à-dire à partir du moment où on prend le rebond et on est en attaque, on a 12 secondes pour ressortir un appui. Il faut qu'il n'y ait plus d'appui dans la zone
et attaquer. Donc c'est relativement rapide. On se dit 12 secondes, ça va, on a le temps. Mais dès que la balle est dans les mains de l'attaquant, on a 12 secondes pour ressortir et pour attaquer. Donc on va voir qu'il y a des problématiques à gérer par rapport à ça, notamment une notion de contre-attaque qui est importante au 3-3, même si ça peut paraître étonnant, il y a une notion de contre-attaque au 3-3 parce qu'il faut aller vite. Okay. Donc c'est un sport de contact, et comme qui dit sport de contact dit beaucoup de lay-up ratés. Donc souvent, notamment, on a remarqué encore plus chez les filles avec l'impact physique qu'il peut avoir sur le match, il y a énormément de déchets au niveau des lay-up. Donc on commence toujours l'échauffement, on va partir par un petit exercice de lay-up et de finition. On en met 6 ici, 5 là, on part comme tout à l'heure. Premier sans ballon, 3 ballons de chaque côté, c'est bon, c'est parti. Allez, let's go. On part à deux pieds, finition main gauche ici. Allez, c'est parti, on en marque 20. Et donc, on part. Tiens. Et on essaie comme ça de monter en intensité. On essaie d'aller chercher haut sur la planche. Bien, bien. Et on va varier au fur et à mesure, on va varier les finitions. Allez, on met les lay-up. Bien. On en met 12 marqués. Allez, bien. Bien. 12. On enchaîne sur un pied. On va chercher vraiment loin. Let's go, c'est parti. Main droite et main gauche. Dès qu'on a fait la passe, on enchaîne. Et on commence à mettre du rythme. On commence à monter en intensité petit à petit. C'est parti. Bien, bien. Main gauche, pied droit. On essaie d'avoir un. Main gauche, pied droit. Allez. Bien. Et on va chercher haut sur la planche. Bien. Allez, allez, on met les lay-up, on met les lay-up. Bien. Allez, allez, allez. 12. Une petite amélioration que j'aime bien sur les entraînements, sur les échauffements comme ça. Vous pouvez vous mettre ici, on repart sur deux pieds et on peut commencer à pousser légèrement. Alors sur le 3-3, on peut pousser pas légèrement, mais beaucoup. Mais là, on peut se mettre dans un mode 5-5. C'est parti, à deux pieds. Et on finit, et on est là, et on commence à mettre un petit peu de contact. Bien. Et là, normalement, il va y avoir plus de lay-up raté. C'est parti. Bien. Allez, on monte. Bien. 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 Allez, allez. On va chercher haut sur la planche. Bien. 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 Allez, 12, pareil. Bien. Parfait. Je donne toujours l'exemple de la planche, donne-moi le ballon, et j'essaie de dire à mes joueurs, que ce soit en U18, en U23, en senior, d'aller vraiment chercher haut sur la planche. Je prends toujours l'exemple de Rudy Gobert. J'ai joué avec lui en 2012, l'année où il a été drafté. Quand vous avez un Rudy Gobert dans l'équipe, en défense, vous pouvez prendre 10 backdoors, vous savez que derrière, vous êtes tranquille. Pour vous donner un ordre d'idée, il se met ici, il saute en détente sèche, il touche le haut du carré blanc. Donc si vous venez en faisant un petit lay-up comme ça, la balle va partir. Donc il faut s'habituer à vraiment lever les ballons. C'est techniquement intéressant aussi, parce qu'en termes de finition, on peut vraiment partir haut. Donc on va refaire la même chose, et on essaie d'aller le plus haut possible. Ok, c'est parti, let's go, on refait la même chose. Le plus haut possible. Bien. Allez, le plus haut, 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 bien. On peut rater, c'est pas grave. Là, on essaie vraiment de chercher, voilà, bien, la qualité. Haut, oh, haut, oh, bien. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, exagère. Bien, parfait. Bien. Bien, parfait, ça. OK, même chose. On va commencer à s'amuser un peu au niveau des appuis. Donc là, tu me feras la passe. Je viens ici, je passe ici, je reviens intérieur, main gauche. Et là, intérieur, main droite sur l'autre côté. OK, c'est parti. On passe au tour. Bien. Allez, on commence, voilà, bien. Travail d'appui, bien, passe. Allez, on essaye sans toucher le cercle. Pour que ce soit validé, ça ne doit pas toucher le cercle. Let's go. Allez, on va chercher haut, bien. Allez, 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 allez. Non, grand, reviens dedans, tu reviens ici, tu remontes avec ta main droite. Bien, feinte d'un côté, reviens, bien, parfait. 6. Allez, on monte la balle, même principe, bien. Voilà, c'est bien ça. 10, 11, 12. OK, dernier. On va venir ici. Tu vas me faire la passe. Je vais feinter.
et venir en dessous pour prendre un layback. Okay, donc là, on est plus sur de la finition, un petit peu plus compliqué. Donc là, on va rater un peu plus, c'est pas grave. Prends ton temps, je ne veux pas avoir de marché, on prend son temps. C'est parti. Bien, tu viens là, de l'autre côté. Bien. Un, c'est parti. Feinte. Deux. Ça, c'est intéressant, notamment au niveau des joueurs intérieurs, pour les petites finitions dans le petit périmètre. Trois. Bien. Bien. Protégez bien votre ballon. Bien. Allez, allez, on rate trop de lay-up. Bien. Neuf. Dernier. Parfait. Donc, on peut varier les finitions. C'est vraiment du travail simple, surtout au niveau des catégories de jeunes. Généralement, je l'ai fait tout à l'heure, mais là, comme ils savent, ils ont été bons. Vous demandez quel est le nombre de paniers marqués. Il y en a un qui va vous dire 10, l'autre qui va vous dire 3, l'autre qui va vous dire 2. Donc, c'est aussi un bon moyen pour voir si les joueurs sont attentifs à tout ce que vous faites. Toutes les consignes que vous faites, moi, j'aime bien mettre des petits challenges, des compétitions, savoir combien on marque de paniers. Pourquoi c'est important ? Sur une fin de match, être à moins 1 ou à moins 2, ce n'est pas la même chose. Donc on sensibilise les jeunes très tôt à ça. On va partir sur poser les ballons, on en garde 2. Mettez les autres ballons là-bas. 3 joueurs ici, les autres ici, là, comme tout à l'heure. Donc 3 blancs, par exemple, là. Donc on parlait tout à l'heure, au niveau du 3-3, de la notion de contre-attaque. Donc, on sait qu'une fois qu'on a encaissé un panier, on passe tout de suite en attaque. Donc, on l'a fait tout à l'heure, on imagine qu'on vient d'encaisser un panier, on prend le rebond, on éclate. Bien. On éclate comment ? Large. Pourquoi ? La balle doit repartir et ressortir hors des paniers de la ligne à 3 points. Dans un premier temps, la contre-attaque la plus simple, c'est la passe. Je passe. Je reprends direct en reprenant ma position, je score. Ça prend une demi-seconde, on a sauvé de l'énergie, on a marqué un point. Donc on part, let's go, on fait. Bien, bien, tout de suite, prise de position, on score. Bien. Intéressant pour les joueurs intérieurs. Souvent, les joueurs intérieurs, ils prennent la balle. On lui demande de prendre une position préférentielle. Premier réflexe, venir au ballon. On se retrouve avec un intérieur qui a la balle ici. C'est pas très intéressant, à moins qu'il ait vraiment un tir fiable. Moi, je préfère voir mes joueurs intérieurs demander la balle ici, être plus dans le combat et venir avoir un lay-up avec une rentabilité plus importante que de venir ici. Alors, je sais que la mode, c'est le tir extérieur, c'est la NBA et tout ça, mais moi, je préfère voir des joueurs qui sont ici, qui viennent, qui mettent 2 points. 2 points, ça reste 2 points. C'est parti. On refait. Pareil, même chose. Et on va vite sur les mains. Vite, vite. Bien. OK. Deuxième notion, le dribble. On peut sortir la balle en dribble. Donc, même chose, on a le rebond sur la planche, on éclate, et c'est le joueur qui se retrouve ici qui va sortir en dribble pour que la balle soit valable. Première option, c'est de sortir au centre. Au 3-3, on ne veut jamais prendre le ballon, prendre son rebond et sortir ici. Pourquoi ? Parce que le défenseur... Tiens, viens en défense. Je sors la balle. Toi, ton but, justement, ça va être de m'emmener là-bas. Donc tu m'emmènes, vas-y, emmène-moi. Et tu m'empêches de ressortir ici. Tu m'emmènes. Sauf que quand je me retrouve ici, j'arrête le ballon, la possession, elle est finie. Sur les 12 secondes, ça a déjà mangé 5-6 secondes, et là, on est mort. Donc, on apprend toujours à sortir au centre. Chose qui, au 5-5, peut être intéressant aussi, parce que quand on sort au centre, on a la vision globale du terrain. Donc là, on va sortir au milieu, en dribble. Et une fois qu'on est sorti, on va prendre un dribble vers ce joueur-là qui va venir et tout de suite partir en backdoor. On part sur la première option. Tout de suite partir en backdoor. Donc je dribble, vas-y, viens ici, et backdoor. Okay, ça, c'est la première option. Le jeu sans ballon au 3-3 est très important. Donc c'est parti, les autres, vous pouvez venir aussi. On va enchaîner sur ça. On part sur l'option avec le backdoor à chaque fois et la sortie en dribble. Donc on garde un seul ballon comme tout à l'heure. Dès que le lay-up est marqué, on enchaîne. Vous vous rappelez ? C'est bon, c'est parti, let's go. On sort en dribble, bien, backdoor, va chercher le rebond. Bien, ça enchaîne, c'est parti, let's go. Les 3 autres. Prends un dribble vers lui à chaque fois. Bien,
Vas-y, viens, tu choisis ton côté, tu vas où tu veux. Bien, bien. Allez, c'est parti, on en marque 10 comme ça, c'est parti. Allez, bien, prends un dribble, bien. Et toujours la passe à terre, c'est parti. Bien, choisis un côté. On n'est pas obligé d'aller à droite à chaque fois. Hein. Exercice de rebond aussi. La balle ne doit pas toucher par terre. Va chercher le rebond. Bien, parfait. Ouais, bien, bonne passe. Attention, grand le dribble. Attention, le marché. La balle à terre. On passe à terre à chaque fois. Let's go. Bien. Bien. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bien. Parfait. Allez, on met les layups, on met les layups. Ça explose, backdoor, bien. Allez, les mains doivent être prêtes, let's go. Bien, backdoor, parfait. 10. Dernière option, le hand-off. Alors, je sais que dans le 5-5, aujourd'hui, il y a des hand-off dans tous les sens. Mais nous, on l'utilise aussi dans le 3-3. C'est un outil très intéressant, notamment sur l'attaque du hand-off derrière. Donc, on va faire la même chose. Donc, je prends ta place. On fait comme tout à l'heure. On rebond, on explose. On sort en dribble. Et là, je choisis un côté. Je viens avec toi. On est sur le hand-off. Viens. Alors, sur le hand-off, on a remarqué que certains joueurs, leur spécialité, c'était de faire un hand-off comme ça. Là, on est mort. On fait le hand-off, on protège. On vient et on roule tout de suite en gardant dans le dos, on verra après pourquoi c'est important, le défenseur. Et là, une petite passe à terre pour un lay-up facile. Okay, on part sur l'option du hand-off avec la passe à terre. On part sur 10 marqués. C'est parti, let's go. En rythme. Allez, bien, 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 roule. Voilà, bien. Rebond, rebond. C'est l'équipe qui rentre qui prend le rebond. Let's go. On peut choisir les deux côtés. Bien, bien. Deux. Allez, ça enchaîne tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Stop. Alors, sur le 3-3, on veut des joueurs polyvalents. Donc, ça veut dire que les intérieurs, ils doivent être capables de dribbler et ils doivent être capables de passer. Donc, grand, quand tu es ici, si tu fais ton hand-off et que tu es debout, comme ça, et que tu prends la balle et que tu es comme ça, tu vas te faire pousser. Okay, on est fléchi. Utilise ton dribble pour attaquer dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que la première option du hand-off, ce n'est pas de donner à ton camarade pour qu'il aille faire quelque chose avec. La première option du hand-off, c'est toi qui es ici, tu as ton dribble et tu attaques. S'il ne se passe rien, tu as un lay-up. S'il se passe quelque chose, il y a une aide, tu as une passe. D'accord ? C'est de la lecture de jeu. On refait. Let's go, on repart à zéro. C'est parti, on enchaîne. Bien, stop. Deuxième chose sur laquelle il faut être attentif, quand on explose et qu'on éclate, on n'éclate pas ici, parce que si on éclate ici, on prend... Toute cette partie-là du terrain ne va pas être utilisée. Éclate large. Vas-y, va là-haut. Je prends ta place. Je suis là, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que si tu viens vers moi, viens, je peux partir en backdoor. Tu fais la passe sur le backdoor. Je peux aller au lay-up. D'accord ? On peut faire end-off. Bien. Et là, regarde la différence. Tu as tout ça pour attaquer. D'accord ? Donc, il faut éviter de réduire les espaces. Le spacing est très important. Surtout à 3. Où on est moins. C'est parti, let's go. 10. Un troisième là-bas. Bien. End off. Bien. Attaque. Parfait. Rebond derrière. Ça enchaîne. 1. Bien, bien, bien. Attaque avec ton dribble. Fort. Bien. Parfait. C'est bien ça. Let's go, let's go. Choisis un côté. Bien. Allez, on met les lay-up. On met les lay-up. En temps normal, les lay-up, on fait pomper. Mais bon, là... On va être indulgent. Bien. Finition, finition. Bien. Main gauche. Toujours le souci du détail. À gauche, main gauche. À droite, main droite. C'est parti. Allez, on finit. On rate trop de lay-up. Bien. Bien, bien. Première option. Tu peux partir sur du backdoor. C'est pas grave. Jamais t'arrêter. Si tu pars en backdoor, ne t'arrête pas. Continue. Let's go. 5. Bien. 6. Bien. End off. Garde bien le gars dans ton dos. Grand, prépare tes mains. Let's go. Bien, bien. Parfait. Combien ? C'est bien, ça compte. Bien. Bien. Bien, bonne intensité, bonne passe. 9, dernière. Allez.
C'était de l'autre côté la passe, mais c'est pas grave. 10, ça c'est le prochain. Donc l'évolution, donnez-moi 3 bleus par exemple. 3 bleus, n'importe. C'est la même chose. Donc vas-y, tu arrêtes quand je te dis. On éclate, on sort. On part sur le end-off. Vas-y, end-off, toi reste là. Tu attaques, et au moment où tu attaques, toi, même chose, tu pars sur du backdoor. Donc en fait, c'est les mêmes principes des deux côtés. On est parti sur ça, let's go, 10. Il doit toujours avoir du mouvement, jamais être à l'arrêt. Si on est à l'arrêt, c'est que c'est pas bon. Bien, bien, backdoor, bien, rebond les deux autres. Bien, parfait, ça enchaîne. Choisis un côté, reste bien large, attends, ton timing doit être bon. Bien, voilà. Prends un dribble encore au niveau de ton end-off pour venir fixer le défenseur au niveau de la ligne des lancers francs. Bien, bien. Parfait, bon, le lay-up est marqué, parfait. Si je veux être exigeant, vas-y, pied droit. Ok, c'est parti. Bien, grand, c'est mieux. Bien, balle à terre. Généralement, la balle, sur une passe à terre, elle arrivera. Sur une passe directe, ce sera plus compliqué. Bien, bien. Allez, 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 allez. Choisis un côté. Attaque fort derrière. Bien, voilà, bien. Bien. Allez, grand, allez. Stop. End off, c'est toi qui vas vers le joueur. C'est pas le joueur qui vient vers toi. Donc, jamais arrêter son dribble. Donc, sur tous ces petits exercices-là, spécialement quand on a des joueurs qui sont pas super réveillés, mais ça, c'est pas grave. C'était la soirée qui a été difficile. On essaie d'être dans le détail. Donc, le end off, ça sert à rien de s'arrêter ici. Là, on est mort. Le défenseur, la défense a gagné. Va vers ton joueur. Tu vas vers ton joueur, tu vas provoquer déjà un mismatch. Ils ont un choix à faire. Soit ils vont changer, soit ils vont pas changer. Donne-moi la balle. Quand on a un très bon poste 4-5, mais bon, chez les jeunes, c'est déjà plus dur à identifier. Mais sur un end-off, à un moment donné, ça va tricher. À un moment donné dans le match, moi le premier, quand on est en défense, on triche. Donc reste là-bas. Si on garde son dribble vivant bien, on fait une feinte et on part ici. Et une fois dans le match, tu vas avoir un lay-up tout seul parce que là, il y en a un qui dort. Et toi, tu as été plus malin que lui. Donc, n'arrête pas ton dribble. OK ? C'est parti, on en était à 7. Let's go. Même chose. Va vers lui. Voilà, bien. Bien, bien. Combien ? 7. Allez, allez, allez. On finit, on finit. Bien, bien, bien. Voilà, parfait. 8. Neuf. Ok, donne-moi la balle. On veut vraiment insister sur le end-off, sur l'attaque du end-off. Souvent, on fait un end-off, on fait un dribble derrière, on est ici, on regarde ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, la première option derrière le end-off, c'est d'aller chercher au moins la ligne des lancers. Là, on voit ce qui se passe. S'il y a une aide, on fait la passe, on tire. Normalement, je le faisais avant, mais je ne suis pas sûr de le faire encore maintenant, c'est sur un dribble entre ici et là, vous allez au cercle. Normalement. Donc, ça ne sert à rien de prendre un dribble sur un end-off qui vient ici en parallèle. On se coupe complètement du jeu. Soyez agressif, créez des mismatchs, mettez la défense en difficulté. Okay ? Dernière, on va faire exactement la même chose avec le backdoor à la fin. Donc, vas-y. Et tu arrêtes quand je te dis. On vient, même principe. Viens, viens, end-off. Tu attaques derrière. Stop. Après ton end-off, tu vas dans le coin là-bas. Toi, tu attaques, tu pars en backdoor. Fais-lui la passe en backdoor. À terre, la passe, refait. Viens ici. Viens, 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 viens. Petit détail. Si tu prends ton end-off, quelle main tu vas dribbler de ce côté-là ? Main droite en attaquant ici ? Voilà. Si tu dribbles main droite, on va te prendre la balle. Okay ? Donc tu attaques, pars en backdoor. Toi, tu vas dans le coin. Backdoor, tu lui fais la passe sur le tir extérieur. Et là, on est dans la continuité. Et ces deux joueurs-là, vous allez aller, comme tout à l'heure, vous battre au rebond. Toi, je te considère comme le joueur qui est en défense, et toi, tu vas essayer d'aller prendre le rebond offensif. Donc lui, quand il tire, donc vas-y, on refait. Bien, bien, attaque, main gauche, attaque, backdoor, passe et rebond, rebond, boxe-le, 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 bien. Donc là, on peut combiner à la fois un travail de backdoor, un travail de jeu sans ballon et un travail de rebond. Le rebond au 3-3 est très important. Ok, c'est parti. Allez, on enchaîne, let's go. Bien, 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 attaque, backdoor, stop, reste large, c'est pour le tir extérieur, attentif aux consignes, ok ? Donc toi, une fois que tu as pris ton backdoor, tu viens te mettre ici, c'est pour toi, tu travailles le tir extérieur, eux, ils travaillent le rebond, on peut travailler deux choses dans un même exercice. On refait, c'est parti.
Bien. Vas-y, hand off. Va te mettre dans le coin. Bien, attaque, backdoor. Passe, rebond. Boxe-le, boxe-le, boxe-le. Bien. Voilà, 1. Allez, on en marque 10 comme ça, c'est bien. Attentif, va dans le coin, le shoot ça va être pour toi. Backdoor. Ah, c'est inversé là, faut être attentif. On n'est pas obligé de partir du même côté. L'exercice n'est pas fini, rebond. Bien, on repart, c'est parti. Attentif les gars, allez. Bien, viens. Attaque, backdoor, tir, rebond. Pas le boxer, bien, bien. Donc là, on passe sur de l'attaque et on est en défense tout de suite. Bien, on enchaîne, c'est parti. Stop. Tu me refais la même chose. Utilise ton dribble pour aller faire un end-off. Tu t'arrêtes ici, ça ne sert à rien. Viens là, tu viens, tu emmènes ton joueur avec toi, tu lui donnes la balle. Okay, va lui donner la balle. C'est un cadeau, tu vas lui faire un cadeau. Là, tu es en train de lui dire, tiens, viens le prendre le cadeau. Non, tu lui fais le cadeau. Ok, vas-y. Bien, voilà, voilà. Là, tu lui donnes. Bien, le tir est pour toi, le tir est pour toi. Rebond, rebond. Ah, tu vois le temps d'arrêt que tu as eu. Tu aurais pu prendre un rebond offensif sur la tête parce que tu as eu un temps d'arrêt. C'est parti, ça enchaîne. Bien, bien. Backdoor, passe, rebond. Parfait. Voilà, l'exercice s'arrête quand tu as la balle. C'est parfait, let's go. Hand off, viens te mettre dans le coin. Prêt, tout de suite, les mains prêtes. Là, ici, tire. Rebond. Rebond off. Ça enchaîne. Un troisième, là-bas. Bien, bien. Backdoor, tire. Rebond, va le chercher au rebond. Bien, bien. Attention. Let's go, ça enchaîne. Allez, on ne fait pas de perte de balle. Let's go, let's go, let's go, let's go, on enchaîne. Bien, refait. Ouais. Reste large, tire, va le chercher au rebond. Bien. Laisse-le pas passer devant toi, bien. Allez, encore deux comme ça. Rebond. Dernier. Let's go. Bien, bien. Reste large. Je pars sur le backdoor. Maintenant, backdoor. Tire. Rebond. Ah, tu vois. Alors souvent, donne la balle. Donne-moi la balle. Le réflexe qu'on a une fois qu'on a fait la passe, souvent, c'est on fait la passe et on est là et on a fini le drill, on est content. Non, l'exercice n'est pas terminé. Tu fais la passe, tout de suite, tu vas chercher sur le rebond offensif. OK ? OK, on va passer sur les phases de jeu postées qu'on peut utiliser éventuellement. Donc, trois joueurs, n'importe. Un intérieur qui est ici avec la balle, n'importe, c'est pas important. Vas-y, donne la balle. Vous pouvez rester pas par couleur, c'est bon. OK, tu vas taper la balle. On éclate. Et tu restes ici. Tu demandes ta balle là. Tu as la balle là. Fais-lui la passe. Et toi, tu vas couper. OK ? Et dans un premier temps, toi, ce que je vais vouloir, c'est que tu viennes le plus vite possible ici, prendre un tir dans le petit périmètre ici, au niveau des elbows, là. Okay. Et les deux, même principe. Le passeur, tu deviens défenseur pour le rebond. Okay. Même drill. C'est parti, on a compris. Donc vas-y, rebond. Bien, reprends ta position. Ici, voilà, bien, tire. Et va chercher le rebond. Voilà, bien, bien. Travail de tir et de rebond. C'est parti, ça enchaîne. Let's go. On a deux ballons, ça doit aller plus vite. Bien, tu coupes. Ouais. Bien, tire. Bien, va au rebond off. Contact sur le rebond, let's go. Un troisième. Bien, viens prendre ton petit tir dans l'intervalle. Voilà, stop. Alors là, depuis tout à l'heure, on a le spécialiste de je passe et je fais rien. Donc, tu passes, et qu'est-ce que tu fais derrière? Ah, donc ce petit temps d'arrêt que tu avais, mais c'est normal, il faut s'habituer. Le petit temps d'arrêt que tu as eu fait que tu as failli prendre un rebond offensif sur la tête. Tu fais ta passe tout de suite, va impacter, va chercher le joueur et tu l'enlèves. Fais-le sortir de la raquette. Ok, tu vas pas lui faire mal, hein, c'est bon. C'est parti. Bien. Enchaîne. Je sens ballon. On est là. Passe. Bien. Dernier. Let's go. Bien, bien, bien. Passe. Va le chercher. Va le chercher. Bien. Fais-le sortir de la raquette. Bien. OK. Dernier, dernier. Refais un. Bien. OK. On se met ici. Venez ici au niveau de la ligne à 3 points. On va enchaîner sur un dernier exercice sans ballon. Balle au milieu, ailier, ailier. Tu vas lui faire la passe.
Et toi, tu vas couper ligne de fond le plus vite possible. Okay, donc tu viens ici, tu dribbles. Généralement, dans le 5-5, donne-moi la balle, la passe qu'on demande, c'est tu viens ici parce que l'aide vient là, et je fais la passe sur la transversale et il y a shoot dans le coin. Donne-moi la balle. Sur le 3-3, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la coupe dite à l'espagnol, nos chers amis espagnols, c'est que je coupe ici et toi, tu coupes par le milieu. C'est-à-dire que souvent, on est tellement habitué à ce que l'aide et le shoot viennent de ce côté-là, qu'on a les défenseurs qui sont ici, et ils savent que la balle va arriver là-bas. Donc ils perdent, l'espace d'un instant, ils perdent de vue ce défenseur-là. Sauf que toi, tu vas venir ici au milieu. Et deux, trois fois par match, généralement, on a un lay-up, donc moi quand je drive, repars là-bas. Quand je suis dans le dribble ici, vas-y coupe. Généralement, le joueur là, il dort, et j'ai une petite passe ici à terre qui est possible. Donc on va partir sur ça, sur 10 marques, sur le sans écran, c'est bon, faites-le sans l'écran. Ok, on est parti. Donc dribble, allez c'est parti, let's go. Dribble, toi tu remplaces, tu vas le chercher là-bas, voilà, bien, voilà. Allez c'est parti, on marque, prenez plusieurs ballons pour que ça aille plus vite. Dès qu'ils sont partis, ça part, let's go. Bien, 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 voilà, parfait. Allez, on en marque 20, let's go, 20 marqués, 20 marqués. Bien, remplace, bien. Et après on peut faire évoluer l'exercice, donc plusieurs passes. C'est parti, ça enchaîne, passe, bien. Commencez bien large, vas-y, enchaîne, passe. On va prendre sa place. Bien, bien. Allez, on met les lay-up, on met les lay-up. Let's go. Enchaîne. Voilà, on peut changer de côté. Bien, bien. Ah, là, c'est toi qui l'as mis en galère. C'est toi qui dois prendre sa place. OK ? Si tu veux changer de côté, je ne suis pas contre. Mais par contre, il faut que tu fasses la bonne chose parce qu'après, les autres, ils ne savent pas quoi faire. Let's go. Bien, prends sa place, coupe au milieu. Bien. Et généralement, c'est une petite passe à terre comme ça qui est efficace. Let's go. Bien, bien. On met les lay-up. Bien. Bien. Encore, encore. On met les lay-up. Allez, allez, allez. Bien. Ouais, ouais. Parfait. Combien ? 6 ? On va en mettre 10, c'est bon. 20, c'est trop. Soyez dans le bon timing. Quand vous commencez ici à couper intérieur, il faut qu'il soit dans son dribble, il faut que la passe soit facile, il ne faut pas qu'il soit déjà arrêté et qu'il soit en galère pour faire la passe. Non, il faut qu'il soit dans le dribble, qu'il puisse vous faire la passe ici. Pourquoi ? Parce que si vous faites la passe ici, éventuellement, il y aura quelqu'un là, vous pouvez éventuellement enchaîner. OK ? Sur du 5-5, let's go. Allez, dur, dur sur le dribble, bien. 7. 8, bien. Encore 2. Allez, dribble, dribble, bien. 9, 10. Ok, on revient ici, derrière. On va faire exactement la même chose. Une évolution qu'on peut faire par rapport à cet exercice-là, c'est, vas-y, donne la balle. Toi, tu vas dribbler. Vas-y, dribble. Je prends ta place. Bien, tu coupes comme ça. Attends, lui, fais-le couper. Coupe comme si, la même chose qu'avant. Vas-y. Et toi, là, toi, tu pars après ta passe. Et là, tu es bloqué. Arrête-toi à deux pieds. Et là, tu me refais la passe ici. Tire. OK ? Donc, c'est des évolutions qu'on peut mettre. Il ne faut jamais se dire, voilà, il y a une option. Surtout sur le 3-3, on a peut-être 10 options par système parce que, curieusement, on peut penser que c'est du duel, du 1 contre 1, mais on a plein de systèmes de jeu. Et après, c'est de la lecture de jeu, notamment sur les écrans. Donc, on essaie de le voir quelques fois. Let's go. Arrêtez-vous bien à deux pieds après sur le truc. Vas-y, c'est parti. Bien, tu es là, tu vas profond. Non, stop. J'ai trouvé le deuxième qui n'était pas réveillé ce matin, c'est bien. Let's go. Tu viens ici, tu t'arrêtes et là, tu repasses. OK ? On va pas sur le lay-up, c'est un tir extérieur. Let's go. Bien, drive dur. Bien. Voilà, rebond derrière, rebond derrière. Importance du rebond. Bien. Et on peut refaire, à chaque fois refaire sur le même exercice. Attention de ne pas vous faire mal. C'est parti, let's go. Bien, vas-y. C'était ça l'exercice ? Non, c'est pas grave. Vas-y, refais. Regarde ce que les autres font. Reste derrière. Regarde ce que les autres ont fait d'abord. Vas-y. Drive. Il part. Bien, bien, bien. Voilà. Parfait. Let's go. Parti. Drive dur. Allez, on en fait encore 3-4. Stop. Spacing. Toujours le spacing. Tiens, c'est toujours le même. Let's go. On refait. On va le faire bien. Tu vas le faire bien. Ça va le faire. T'inquiète pas, tu sais, j'ai fait la même chose. J'ai eu des matins où j'étais pas réveillé, t'inquiète pas. Let's go. Vas-y, drive.
Ok, stop. Bon, la balle. Donc là, sur tout ce qu'on a vu sur le jeu sans ballon et le jeu à l'opposé, on va essayer de le mettre en application. Donc moi, ce que j'aime bien faire sur le 3-3, c'est faire du 3 contre 3 sans dribble. Alors là, généralement, quand on dit 3 contre 3 sans dribble, tout de suite, on nous regarde comme ça avec des gros yeux. Pourquoi ? Parce que les joueurs, à un moment donné, ils se retrouvent dans un périmètre d'1m50 alors qu'on a tout le terrain. Donc là, plus on va être large, plus on va occuper l'espace, mieux on va être. Donc on part deux équipes, une blanche, une bleue. N'importe. Blanche, blanc contre bleu, c'est mieux. Comme ça, on verra. Bleu, bleu, mets un bleu ici, là. Mets un bleu en attaque. Les autres sortent. Ok, on part sur deux paniers marqués. Même principe. Quand on marque, on passe en défense. Mais une fois que l'attaque a la balle, on est ici. Et on n'a pas de dribble. Donc les autres, il faut vous débrouiller pour sortir. C'est-à-dire que si, lui, il n'a pas de solution, il a 12 secondes pour attaquer. Techniquement, la balle doit sortir en 12 secondes. Donc sans dribble, il faut envoyer. D'accord ? Donc il faut être disponible. Donc souvent, c'est du travail de passe-passe. Et après, sur les backdoors, c'est important. On peut bonifier les backdoors. On peut donner des points en plus sur les backdoors. C'est aussi une bonne façon d'avoir des backdoors en plus. Ok, on est parti ? Let's go. Allez, ça bouge. Bien. Perte de balle. Ça enchaîne. Bien. Notion de contre-attaque qu'on a vu juste avant. Parfait. Ça part. Bougez. Disponible. Tout de suite. Bien. Coupe. Coupe après ta passe. 5. Stop. Premier réflexe. Quand on a la balle, c'est de dribbler. Là, tout à l'heure, ils me l'ont fait au bout d'une passe. Là, on a attendu une dizaine de passes. Donc, c'est qu'il y a un peu de progrès. C'est bien. C'était mieux. Première action, ce qu'on a vu, c'est exactement ce qu'on va voir sur du 3-3. Tu as la balle à l'extérieur. Tu prends la position. Tu viens ici. Tu as un point facile. D'accord ? Fais 1-0 pour les blancs. On est parti. Let's go. Ça bouge. Bouge. Enchaîne. Bien. Ah. Balle bleue. Check en haut. Donc on a vu sur les deux choses qu'on vient de voir, on a eu le coup backdoor et le jeu sans ballon à l'opposé. C'est très bien, parfait. Après, il faut que la finition elle soit là. Okay, c'est bien. Allez, ça enchaîne. Pression. Comme il n'y a pas de dribble, je vais avoir de la pression au niveau de la défense. Bien, parfait, bien. Deuxième contre-attaque. Les blancs, vous restez... Ah, faut mettre les lay-ups. Stop, les bleus, vous sortez. Deux nouveaux bleus, il y a un bleu qui reste. Reste aussi. Ok, c'est parti, ça enchaîne. Deux paniers, pareil. Un bleu ici. Bien. Allez, c'est parti. Maintenant, le backdoor vaut un point en plus. La passe doit arriver. L'esprit est là, c'était ce qu'on voulait voir. On enchaîne. Check, c'est parti. On se prend trop de temps. Let's go. Bien. Mets plus de pression sur la balle. Bien, marcher. Stop, ça change. Là, il faut faire attention aussi. Bien ici. Il est en pression sur toi, donc c'est aussi un bon moyen pour tout ce qui est protection de balle. Il est en pression et mon premier réflexe, c'est de faire ça. Donc on est ici, on est là, on est en protection, et toi, tu sais à toi de bouger. Et pourquoi pas faire un end-off ? On peut faire un end-off sans dribble, c'est pas un problème. Ok ? C'est parti. Bien. Enchaîne. Parfait. Bonne passe, bon coupe. 1-0. Ça joue. Ah, le réflexe du dribble. Bien, on enchaîne, on coupe. Bien. Parfait. Ah, la passe doit arriver. L'esprit est là. C'est ce qu'on voulait voir. Bien. Post-up, backdoor, parfait. Comme par hasard, il y a plus de backdoor. 2-0, parfait. Voilà. Donc là, on a l'exemple type, ce qu'on peut faire sur du sans dribble. Là, tout à l'heure, on était en salle, là-haut, sur les tout premiers matchs qu'on a pu faire. Ça ne bougeait pas. Ce n'était pas dans les espaces. Là, on commence à avoir des backdoor et on a le réflexe. Et ce qui fait qu'avec le dribble, on aura tout de suite le réflexe de faire des backdoor, de jouer sans ballon. Et c'est ça qui est intéressant au niveau du 3-3. OK ? C'est bien. On va maintenant voir un peu tout ce qui est jeu d'écran. Donc, je sais, sur les catégories de jeunes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi intéressant de voir ce que nous, on peut proposer sur le 3-3. Donc, on va mettre l'équipe blanche. Tiens, toi. 1, 2 et 3. OK. Tu commences à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer quelques systèmes qu'on peut éventuellement faire sur le... Non, tu commences là. Mais c'est pas grave, tu peux rester ici. Système qu'on appelle l'Ubi. C'est un système qu'on utilise beaucoup. C'est un simple pick and roll. Après, on se dit, pick and roll, facile à défendre, mais à 3, ça devient tout de suite très compliqué. Donc lui, son but, ça va être d'aller poser un écran sur ce joueur-là. Mais il va venir ici et faire une courbe, comme ça, pour venir poser son pick and roll ici. Pourquoi ? Vas-y, prends ton pick. Arrête, stop. Donc lui, sa volonté première, c'est pas d'attaquer. C'est de passer à ce joueur-là. Souvent, sur le 3-3, ça va changer sur les écrans. Et quand ça change, on a tout de suite le joueur qui est ici,
on vient, on le garde dans le dos et on a le lay-up ouvert. Pourquoi on veut le faire de ce côté-là ? Parce qu'on veut enlever l'aide de ce joueur-là. Nous, généralement, on met un joueur extérieur avec un très fort tir extérieur ici. Pourquoi ? Parce que ce joueur-là devra faire un choix. Soit il fait le choix d'aller aider et il se fait sanctionner à 2 points, à 3 points sur du 5-5, soit il n'aide pas. Et s'il n'aide pas, il est vraiment en train de couvrir ce joueur-là. Dans ce cas-là, le lay-up est ouvert tout le match. Et ça, il faut avoir un bon meneur. Et, dernier détail, ceux qui regardent l'Euroleague et regardent notamment un joueur comme Nando De Colo, il n'a jamais la balle proche du corps. Il a toujours la balle qui est excentrée du corps. Pourquoi ? Parce que sur un pick and roll, ça permet de faire la passe en excentré. Et c'est beaucoup plus simple. Donc sur les jeunes, c'est toujours intéressant de leur apprendre à faire une passe comme ça. Si l'intérieur roule vite, tout le match, il aura des lay-ups. On le voit à vide, let's go. Donc on est là, on part sur le... Tu donnes à celui qui roule. Bien, roule, bien, parfait. Encore une fois. Après, on mettra des défenseurs. Let's go, bien, bien. Ok, maintenant, tu vas me lire. Moi, je suis l'aide défensive, d'accord ? Donc, vas-y, fais ton... Je défends sur celui-ci, ok ? Donc là, je vais faire un choix, vas-y. Je vois qu'il est là, parfait, bien. Donc là, on sanctionne direct. On met des défenseurs en bleu, on essaie de le voir un peu en vitesse normale, let's go. C'est parti, bon écran. Bien, bien, garde-le dans le dos. Ah, stop. Là, tu as fait exactement, attention, tu as fait exactement ce qu'on ne veut pas voir, donne. C'est-à-dire que je prends ta place, viens, pose l'écran. Tu as posé l'écran. Très bien, l'écran était très bien posé. D'accord, pousse-toi. Vas-y. Ils ont fait le choix de changer. Toi, ton premier réflexe, c'est pas de changer et de rouler et de garder le gars dans le dos. Ton premier réflexe, ça a été de faire ça. Vas-y, viens. Et après, de partir là. Mais lui, c'est facile pour lui. Okay. Donc, essaie de... Vas-y, changer de la même façon. Donc, je suis ici. Et là, je le garde vraiment dans le dos. Et là, tu as ton lay-up ouvert. Si lui, il fait le choix de venir, tu as ton shooter qui est à l'opposé. Okay. C'est de la lecture de jeu. Let's go, on essaie de le revoir. Bon écran. Bien, bien, bien. Parfait. Après, il y a la finition. Si tu as un petit sur toi, il faut finir. OK ? On l'envoie une dernière fois. Vas-y. Bien, bien. Regarde où l'aide est venue du petit. C'était ouvert là-bas. D'accord ? On essaie d'avoir un bon passage. Let's go. Bien. Jouer le jeu, changer en défense. Bien. Change. Bien. Agressif derrière. Bien, stop. Deuxième système. On prend les blancs, les bleus, vous sortez. Alors, ce système-là, il est bien, mais je ne l'aime pas parce que j'ai perdu un championnat d'Europe sur ce système-là. Mais bon, je l'aime bien quand même. Donc, toi, tu as la balle, tu te mets là-bas. Extérieur. Mais reste au milieu. Toujours le check et toujours au milieu. Toi, tu te mets à 45 degrés. Tu commences là, sur le elbow. Généralement, on utilise ça pour avoir un tir extérieur rapide. Donc ça va être un écran qu'on n'utilise pas beaucoup sur le 5-5. C'est parce que ça va être un écran un peu inversé, mais qui marche à chaque fois, parce que les défenseurs entre eux, il n'y a pas une bonne communication, et ce n'est pas un écran qu'on a l'habitude de voir, généralement. Donc tu vas faire la passe ici, et tu vas te décaler un tout petit peu et attendre. Et lui, pas trop. Tu restes là, comme ça, et tu restes comme ça. Lui... dans ce même temps, va venir, reste là, au milieu, va venir là, et va tout de suite mettre un petit écran ici dans le périmètre, et toi, tu vas te servir de ça pour prendre un tir extérieur à ce niveau-là. Même principe, si ça change, là-bas, si ça change pendant que tu prends ton tir, donc toi, tu as mis l'écran, roule au panier, et là, tu es ouvert tout seul. Okay ? Donc on essaie de le voir à vide comme ça, let's go. Donc tu fais la passe, bien, bien, bien. Parfait. Mais là, c'est avant tout pour le tir. Prends ton tir extérieur. C'est parti, let's go. Bien. Ouais. Roule, tire, rebond. Encore. Bien. 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 C'est bien, ça. Ok, on met la défense. Les bleus en défense. Donc là, dès qu'il va y avoir la défense, il va y avoir une lecture de jeu à faire au niveau de ces deux-là, au niveau de l'écran. Si ça change et ça triche, le flash, comme tout à l'heure on avait vu, va être ouvert. Let's go. Fais la passe. La défense doit se parler. Parle, flash. Bien, bien. Parfait.
Pareil, c'est bien, on a le tir, c'est pas grave. Essaye vraiment de tirer, de trouver le shoot extérieur. Bien. Parfait. Joue derrière. Rebond. Ok, donc ça fait partie des autres systèmes qu'on peut utiliser. Les bleus sortaient. Des fois, on dit que les choses les plus simples sont les choses qui marchent le mieux. Et sur le 5-5, sur le 3-3, c'est vrai. Donc mets-toi à 45 degrés. On a aujourd'hui l'équipe serbe de Novi Sad, qui est l'équipe numéro 1 au monde, qui gagne depuis 2012 tous les tournois possibles et imaginables. Et, donne-moi la balle, ils ont un système tout bête, font la passe, et je fais une feinte de venir ici, et c'est une passe lobée. Et je vous garantis que ça marche à chaque fois. Pourquoi ? Ben, je défends sur toi. Je ne connais aucun défenseur qui, va, une fois que la passe est faite, va être là et va regarder les deux à chaque fois. Ce n'est pas possible. Donc, et on en a fait les frais aussi, 3-4 fois par match. Le défenseur dort, je suis là, on met la balle comme ça et c'est fini. Toi, en même temps, tu fais une feinte de venir un petit peu en l'air, tu vois, un petit peu plus en haut. On croit qu'il y a une action. Toujours à l'opposé, il y a des actions de jeu. Donc cette petite passe bête, une fois qu'il y a la défense, mettez les bleus. Démarquage. Bien. Donc toi, saute au ballon déjà. Stop. Saute au ballon le bleu. Vas-y. Et toi, tu pars et regarde. Il ne regarde pas. Tu vois, son premier réflexe, c'est soit il te regarde toi, soit il regarde son joueur. Il n'a pas le réflexe de faire les deux. D'accord ? Donc ça, sur du jeu, sur du 3-3, on peut relativement marquer beaucoup de paniers sur ça. OK ? Autre petit système qui est très efficace aussi. On commence avec la balle ici. L'intérieur vient là. L'autre extérieur de l'autre côté. Ça, c'est la spéciale Karim Souchu et Pierre-Yves Guillard à Poitiers. C'est-à-dire qu'on prenait tous deux points à chaque fois, tous les deux, sur ça, parce qu'on ne communiquait jamais. Donc ça, tu fais la passe ici, et tu coupes. Premier coupe, et deuxième coupe. Non, stop, sur le deuxième. OK ? Donc, ce que je veux voir ici, c'est que tu prends ta balle, tu fais la passe. Et là, tu effaces. Première coupe, pas possible. Et généralement, sur la deuxième coupe, il y en a toujours un qui dort, vas-y. Parce que lui, il va être soit en switch, soit il ne sait pas quoi faire. Et là, sur le deuxième, c'est ouvert. Et là, on est sur le même principe. S'il y a une bonne défense, toi, tu restes dans le coin. Tu es ici, si l'aide vient. Et à chaque fois, on est sur les mêmes principes d'attaque. OK ? C'est parti, on essaie de le voir en vitesse réelle. Bien, coupe. Bien, la défense. Le premier était ouvert, tu aurais pu lui donner. Le deuxième est ouvert aussi. Bien, parfait. Donc ça, c'est des petits systèmes que sur le 5-5 que vous pouvez mettre en place. Notamment si vous avez un poste 4 qui est bon passeur, vous mettez votre poste 4 ici. On va mettre un exemple avec 5 joueurs, par exemple. Mettez 2 joueurs là-bas, 2, c'est qui, c'est les blancs, 2 blancs, 1 à 45, 1 ligne de fond là-bas. Let's go les blancs, let's go. Défense, bleu, un bleu dessus en défense. Ok, t'as le meneur de jeu ici avec la balle. Et toi, tu restes en bas là-bas, ok ? Ouais, reste là-bas. Donc sur du 5-5, restez bien large. Comment on peut le voir ça ? Tu fais la passe ici, tu te tournes, et toi, soit tu fais le tour pour avoir une première passe et tu essaies d'aller là, et stop. Et là, si tu veux mettre vraiment la défense en galère, tu viens ici, viens toi. Et là, généralement, c'est extérieur-extérieur. Et extérieur-extérieur sur un écran, c'est la même chose. Il y en a toujours un sur les deux qui va dormir. Donc, on pose écran, on flash derrière. Généralement, ce flash-là, il est ouvert. On essaie de le voir comme ça. Let's go. Jouer le jeu, la défense. Bien, bien, bien. Stop. Je t'ai pas demandé de venir. Reste là. Let's go, on enchaîne. Bien. Voilà, on est ici. Bien, pas ouvert. Flash derrière. Il y en a un des deux qui est ouvert. Bravo. Bien. OK, donc ça, c'est des petits systèmes qu'on peut remettre sur le 5-5 qui sont faciles. Par rapport, si on revient sur l'oubi tout à l'heure, on revient à l'oubi, on l'a fait tout à l'heure à 5, on se rappelle. Donc, le premier système, l'oubi, où il y avait un simple pick and roll. Comment l'appliquer sur du 5-5 ? Deuxième intérieur, on va le mettre... tu vas jouer intérieur, c'est pas grave, viens là. Tu viens ici. OK. Tu te mets là. 45. OK. Donc, on se dit, il va y avoir l'aide de l'autre intérieur. Comment enlever l'aide de l'autre intérieur ? Toi, tu vas faire ton boulot normal. Tu vas aller poser l'écran là-bas et tu arrêtes. Stop. Reste en haut dans l'écran. Stop. Au même moment que lui fait son écran ici, l'intérieur qui est là, toi, commence un peu là, vient faire un flare screen. Donc ici, ils sont mobilisés ici.
Ce qui fait qu'il y aura un choix à faire, mais généralement, les deux ne pourront pas aider, ils seront occupés. T'as un petit... Et là, après, ça reste de la lecture. Pour moi, le 5-5, c'est du 3 contre 3 et du 2 contre 2. Il y a toujours un côté faible, 2 contre 2, il faut avoir une activité, et toujours un côté fort, où c'est du 3-3. Okay, donc on essaie de le voir comme ça. Let's go. Bon flare screen. Let's go, c'est parti. Bien, bien, bien. Il est ouvert, parfait, bonne passe. Bien, refait. La passe, elle est pas mal, elle pourrait être mieux. Mais tu vois, tu as fait ta passe excentrée, c'est très bien. Let's go, on enchaîne. Bon timing, bon timing, bon timing sur le flair, bon timing sur le flair, bien, bien. Et là, on a tué un pigeon. J'ai trouvé le troisième qui n'était pas réveillé, c'est bon. Donc, tout ça pour vous dire, ces petits systèmes, on peut les mettre en application sur du 5-5. Après, sur les catégories plus jeunes, je sais que c'est plus compliqué de mettre du pick and roll en place, mais ça reste relativement intéressant. Le travail de pick and roll aujourd'hui, c'est 80-90% sur un match. Plus on monte de niveau, plus il y a du pick and roll. Okay, messieurs, on va se mettre ligne de fond et on va terminer par des petits exercices de tir qu'on aime bien faire. Allez chercher chacun un ballon. Normalement, il y a un ballon pour tout le monde. On peut le faire des deux côtés. Les blancs, vous allez de ce côté-là. Les bleus, vous restez ici. Donc, on sait que dans le 3-3, l'une des spécificités, c'est de sortir le ballon à l'extérieur. Arrêtez les dribbles. Quentin, il me semble que tu es blanc ou bleu. Tu es quelle couleur? Bah, viens ici, alors. C'est le grand chelem ce matin. Let's go. Allez, let's go, enchaîne. On t'attend, là. Allez. OK. On sait que sur le 3-3, donc, on doit sortir la balle à l'extérieur du 3 points. Donc, sur toutes les séries de tirs qu'on va faire, on va faire des séries de tirs en mouvement. Donc, on essaye. On commence toujours ici. Après, c'est libre. Le pied sur l'arc de cercle. On a 2 dribbles maximum pour sortir de la ligne à 3 points. Et tirer. On prend son rebond. Le tir, s'il rentre, il est valable seulement s'il n'y a pas plus de 2 dribbles. 2 rebonds après. Donc ce qui fait que c'est cardio. On part sur une minute. On va faire un concours, le groupe là-bas contre le groupe ici. Et donc pour que le shoot soit validé, il faut le prendre avant qu'il y ait 2 rebonds. On est d'accord? On part sur une minute comme on a fait tout à l'heure. Et on va voir. Par contre, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de revenir toucher l'arc de cercle ici. Dès que vous avez votre rebond, vous avez 2 dribbles max. Par contre, jouez le jeu. Je veux voir des dribbles durs, on sort fort. C'est un exercice cardio qu'on fait soit en fin d'entraînement, soit au milieu, ça dépend. Si on a une bonne journée, on le fait au milieu tranquillement. Si on est un peu plus énervé, on le fait à la fin et on met 2 minutes au lieu d'une minute. D'accord? On est parti? Et on garde les scores. Top, c'est parti, let's go. Et on va chercher son rebond, on garde sa propre balle. Let's go. On garde sa propre balle. Allez, on compte. Bien. Pour que ce soit validé, il ne faut pas que ça touche. Bien. Allez, 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 allez. C'est quoi les scores? 1, 2, bien, validé. 1, 2, vous avez 2 ici. Bien, bien. Et on change de spot à chaque fois, on ne tire pas toujours au même endroit. Il reste 30 secondes. Bien. 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ah, problème technique là-bas. Vous avez combien là-bas? Combien ici? 9, 8? 10? Ok, changez de côté. On va faire un dernier exercice. Changez de côté. Même principe. Donc on commence ici. Fatigué? Non? Tout va bien. J'ai mis des shoots à 3 points, ça m'a... Ah, ça t'a fatigué de marquer des shoots à 3 points. Ah. Ok, même chose. On commence ici, on sort obligatoirement de la ligne à 3. Sauf que cette fois, je veux voir à chaque fois le pied qui sort, on repousse direct sur un ou deux dribbles et on tire. D'accord? Donc on est attentif sur le travail de pied. D'accord? Et là, les perdants auront un petit cadeau. On verra qui va perdre. C'est bon? Top, c'est parti, même principe. Let's go, et on change à chaque fois, bien.
Même principe, la balle ne doit pas rebondir deux fois pour que le tir soit validé. Reste 30 secondes. Combien ? Bien. Poussez vraiment sur le dribble. Quand vous ressortez, on pousse vraiment sur le dribble. Let's go. Bien. Bien. Il reste 20 secondes. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, top. T'as marqué là ? Sauf que ça rebondit quatre fois, donc il n'est pas valable. L'exercice, il n'est pas fini. C'est deux dribbles. Ah. Combien là-bas ? 22 à 22 à 19. Faites-moi 5 pompes. Et Quentin, pour l'ensemble de ton œuf, tu peux m'en faire 5 aussi. Let's go. Allez, c'est bien. Donc, c'est court. On pourrait passer vraiment longtemps sur les principes du 3-3, les écrans. On n'est pas rentré dans les détails non plus sur au niveau des screens, flares, parce que sur les plus petites catégories, c'est compliqué. Mais on pourrait vraiment passer du temps dessus. Tout ce qu'on fait dans le 3-3, on essaie de le faire en rythme. C'est 10 minutes, un match, ou 21 points, donc c'est un sprint. Donc on fait rarement du shoot statique, on fait toujours du shoot en mouvement. Donc voilà, on peut remercier les cobayes qui ont été bons. Et merci beaucoup. C'est bon ? Ouais. Merci Karim. On va passer aux questions. Donc Greg va lancer comme tout à l'heure le klaxoon. Vous allez pouvoir y répondre et choisir les trois questions qu'on va poser à Karim. Le temps que le vidéo pro se remette en marche. Donc même lien pour aller sur Klaxoon, c'est pas le même code, donc il va falloir que vous allez voir que dans l'application il va falloir rentrer un nouveau code pour participer au sondage. Alors c'est bon, donc c'est RW le chiffre 8, NHT. RW 8, NHT. Alors, peut-être c'est une thématique un petit peu nouvelle pour vous. C'est bon, je peux enlever. RW, le chiffre 8, et NHT, tout en majuscule. On se laisse 3 minutes. Même principe, 6 questions. Je vous remercie d'avoir évalué le premier sondage et puis il y a aussi une personne qui a mis un petit commentaire, donc c'est toujours intéressant pour que nous on puisse progresser là-dedans. Merci, à tout de suite. Allez, en attendant, et pour faire patienter notamment les personnes qui nous regardent sur le live, sur le Facebook, et puis les personnes
ici aussi. On va poser 2-3 questions, alors pas du tout par rapport à l'intervention, on va juste faire patienter un peu les téléspectateurs. Sur 2-3 questions, Karim, sur la pratique du 3-3, ton été aussi, d'une manière générale. On sait que tu es très investi sur ces équipes de France, entraîneur, et puis un petit peu garant aussi de l'esprit 3-3 par rapport à la fédération. Un petit mot déjà sur ton été et sur les différentes compétitions auxquelles tu as pu participer avec les équipes de France. L'été a été très chargé, puisqu'on a eu des compétitions vraiment un peu partout, sachant que cette année, il y a la catégorie U23 qui a été créée. Donc, on avait les U18 qui étaient en compétition, les U23 et les seniors. Donc, à chaque fois, il y a hommes et femmes qui sont représentés. Donc, on a été beaucoup avec mon collègue Yann Julien sur les U23 cette année, avec notamment la création de la Nation League, qui est une ligue mondiale qu'on a remportée d'ailleurs, et qui a réuni plus de 6 nations et qui avait des stops un peu partout. Et donc on a réussi pour cette première édition à s'imposer. Donc à ça, il a fallu ajouter les Jeux méditerranéens avec les U23 encore, qu'on a eu la chance aussi de remporter. On avait vraiment un bon groupe. Et dans l'optique des futurs Jeux olympiques, c'était toujours important, notamment vis-à-vis du CIO, de performer sur ces événements-là. Et pour finir, on a eu le championnat du monde où là, on n'a pas eu la réussite escomptée, où on s'est fait sortir sur le buzzer avec les U23 en match de poule. Et les garçons ont accroché une 4e place qui était une belle place aussi, puisqu'on n'avait pas l'équipe non plus au complète. Mais c'était une équipe vraiment une équipe intéressante qu'on a poussée à bout. Pour les seniors, on a eu la chance avec les filles de participer aussi et d'être champion d'Europe avec les filles. Donc c'était une première pour nous. Et vraiment une fierté aussi au niveau de ce groupe-là d'avoir réussi à se hisser sur le toit de l'Europe. Les garçons ont eu un peu plus de difficultés, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas être sur les World Tours, c'est compliqué en termes de niveau et de vécu d'équipe, notamment pour performer sur ces compétitions-là. Qu'est-ce qui manque justement à l'équipe de France A senior? Tu as beaucoup parlé des jeunes et des féminines qui ont performé. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France A pour maintenant performer? Et puis tu parlais de l'objectif de la qualification pour les Jeux Olympiques. Bon, on a quand même accroché l'an dernier une belle médaille de bronze au championnat du monde à Nantes. Mais sur cette équipe, il manque surtout du vécu. C'est le vécu qui manque. C'est une équipe qui n'a pas de vécu. On a des joueurs qu'on récupère au mois de juin généralement ou fin mai. Et alors que certaines équipes en Europe qui ne font plus que du 3-3 sont ensemble depuis déjà 2 ou 3 mois. Donc nous, c'est très compliqué d'avoir ces joueurs-là qui soient compétitifs parce que c'est aussi des automatismes. Donc tant qu'on n'aura pas des joueurs vraiment exclusivement dédiés au 3-3, je pense qu'on aura cette même problématique. C'est le cas des joueurs dédiés au 3-3 pour d'autres nations dans le monde? Oui, de plus en plus. Là, on voit par exemple il y a une équipe russe qui a été créée cet été. C'est des jeunes U23 qui ont décidé de faire que ça. Donc la fédération les a accompagnés et là ils ont été champions du monde en U23. C'est une équipe. C'est là où on a un peu de regret parce que c'est une équipe qu'on a battue relativement souvent sur la Nation League. Mais bon, ils ont eu un vécu sur tout l'été et à la fin de l'été, ils avaient vraiment changé de visage et c'était une équipe très intéressante. Donc voilà, c'est juste ça qui nous différencie de ces équipes-là maintenant. Dernière petite question avant d'enchaîner avec les questions de l'auditorium. Pardon. Un petit mot sur Voiron. On vous voit souvent ici avec l'équipe de France. Volonté de la Fédé de faire de TSF notamment une place forte du 3-3 dans les années à venir. Disons qu'on a tout à disposition. Il y a des terrains qui ont été rajoutés. C'est vrai que moi, j'ai vu l'évolution, ne serait-ce que sur 2-3 ans du site. C'est incroyable. Le Big 12 est un tournoi qui est très intéressant. Ça réunit des nations fortes. Et nous, c'est toujours un tournoi où on peut se préparer. Donc on essaie de venir ici. C'est vrai que c'est d'une façon logistique, c'est un peu loin par rapport à Paris et tout ça. Mais c'est vrai que le confort, une fois sur place, est intéressant. On est dans les meilleures conditions pour travailler. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus souvent à Voiron. Mais il y a une volonté, je suppose, aussi d'autres sites de mettre en place des choses pour le 3-3. Merci Karim. Je pense que c'est bon pour toi, Yann et Greg. Alors j'ai pas les questions, Yann. Pas encore, en tout cas. Donc là, on va passer à la partie questions un petit peu plus sur l'intervention, un petit peu plus technique. Les questions que les personnes ici présentes sur le site de TSF sur l'intervention ont posées. On va faire ressortir 3 questions par rapport à l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc là, un petit peu plus sur l'aspect technique. Tu peux me filer ton téléphone, ça ira plus vite. Il ne va pas se désactiver, c'est bon? Les aléas du direct. Allez, je vais le laisser en route. Alors, 3 questions, enfin,
pas mal de questions posées par l'ensemble des personnes présentes ici, mais trois questions qui ressortent. La première, on a parlé du 3-3, on a parlé du 5-5, et justement, le lien entre les deux, en quoi la pratique du 3-3 sert la pratique du 5-5 et vice-versa? Parce que tu as aussi, tu le disais, des joueurs qui sont joueurs de 5-5 toute l'année et qui jouent en 3-3 l'été. Je pense que le 3-3 et le 5-5 sont deux disciplines complémentaires. Il ne faut pas les distinguer les unes des autres, dire voilà, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même sport. Nous, on récupère des joueurs du 5-5 qui arrivent, qui sont un peu timorés, qui ont une habitude dans le 5-5 d'être vraiment dans une case, alors que dans le 3-3, on leur demande de faire un peu de tout. Donc ça développe la polyvalence des joueurs, notamment l'agressivité en termes de prise de décision. Ça responsabilise aussi les joueurs. Et nous, on voit l'évolution sur un été de joueurs ou de joueuses qu'on a, elle est exceptionnelle. J'ai récupéré, l'an dernier, on avait récupéré une joueuse qui était une joueuse intérieure et qui est arrivée dans un esprit un peu de 5-5, qui ne faisait que poser des écrans, ne prenait aucune initiative. Et à la fin de l'été, elle était vraiment devenue une force offensive dans cette équipe. Donc je pense que les deux servent, et à la fois dans le 5-5, on a des joueurs très intéressants qui sont un peu timorés parce que y a quatre autres partenaires qui sont là, et puis il y a des systèmes un petit peu plus longs, un peu plus léchés. Donc c'est peut-être ça aussi, ça les libère. Il y a une forme de liberté dans le 3-3 qui, je pense, est utile pour les joueurs, pour leur développement. Alors pour rebondir justement par rapport à ce que tu disais, un petit peu plus spécifique sur le 3-3, quel est un petit peu le profil idéal du joueur ou de la joueuse de 3-3? La polyvalence, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui peuvent à la fois jouer intérieur et extérieur. C'est rare dans le 3-3 quand on a des joueurs par exemple de 2m10, ce seraient des joueurs qui seraient relativement handicapés, notamment sur les changements d'écran, sur les switches. On a des intérieurs relativement grands quand même, mais qui sont capables, de, sur certaines séquences courtes ou plus longues, de tenir des duels avec des extérieurs. Et là, c'est aussi intéressant après quand ils repartent sur du 5-5. En termes de mobilité, c'est des joueurs qui vont progresser. Dernière question, après on va te libérer et puis libérer également les personnes ici. La dernière question qui ressort, d'un point de vue de collectif offensif, pardon, quelle différence tu ferais entre le collectif offensif du 3-3 par rapport à celui du 5-5? Le 3-3 est beaucoup dans la lecture de jeu. Il y a beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de backdoor. Et je sais que c'est pour ça aussi, aujourd'hui, il faut le reconnaître, que les pays de l'Est, qui sont historiquement des pays qui font du jeu sans ballon leur fonds de commerce, sont des pays qui sont efficaces sur le 3-3, puisque c'est la base. Et quand on regarde les meilleures nations aujourd'hui, les meilleures nations au monde, c'est des équipes qui maîtrisent ce paramètre du jeu. Nous, on a vraiment des athlètes qui sont vraiment plus athlétiques généralement que les autres nations, mais qui sont peut-être un petit peu moins bons sur le jeu sans ballon et la lecture de jeu. Donc là où on était vraiment très heureux, par exemple, avec les filles à Bucarest quand elles ont été championnes d'Europe, c'est que si vous avez l'occasion de regarder le match de la finale, c'est exactement la façon dont on voudrait jouer au 3-3. Elles ont vraiment mis en application tout ce qu'on avait fait pendant l'été, le jeu sans ballon, le partage, et c'était vraiment un très très beau match. Donc nous, c'est vrai, c'est une philosophie qu'on essaie d'inculquer. C'est pas toujours évident, surtout actuellement avec ce culte un peu du basket individuel où les joueurs regardent notamment tout ce qui se fait un peu en NBA et tout ça. Et nous, on essaie de justement ramener un peu ce côté old school du bon vieux backdoor et du bon vieux jeu sans ballon, et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Merci Karim pour l'ensemble de ces réponses. Merci aussi pour cette intervention et puis ce partage d'expérience. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Et puis on va marquer la fin de cette matinée. Et puis juste un petit mot pour les personnes qui nous suivent sur Facebook Live. La matinée se termine, mais on se retrouve dès 14h cet après-midi pour la suite de la journée, avec notamment les interventions de Philippe Hervé et de Johan Plaza. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, à relayer un petit peu l'information autour de vous, et surtout à nous faire vos petits commentaires, vos petits messages pour savoir un petit peu, pour vos questions également, pour réagir et interagir. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Rendez-vous 14h ici même maximum. 14h maximum, le repas là-bas. On essaye d'être le plus discipliné possible pour le repas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, merci, à tout à l'heure. Thank you.